Racing Men et Grenoblois s'affrontaient à Yves du Manoir pour un duel entre deux équipes en forme de ce début de saison. Le Racing 92 voulait quand même rebondir après sa défaite à Agen, alors que le FC Grenoble allait sans pression à Colombes dans une belle ambiance et bien décidé à faire un coup. Et justement, ça se ressent dans cette entame de match clairement en faveur des Isérois. McLeod à la manette à la sortie de ses deux rucks pour mettre en position de drop Jonathan Wisniewski, cette année passé au Racing, et qui va ouvrir le score sous le maillot du FCG sur ce drop en position idéale sous les perches. Avantage logique, hein, car ce sont bien les joueurs de Fabrice Landreau qui mettent le plus d'intensité dans ce début de rencontre. Sur cette mêlée, quasiment sur la ligne médiane, McLeod va maintenant orienter le jeu côté ouvert. Le ballon va circuler dans les mains de Wisniewski, puis d'Estebanes, pour arriver finalement sur Armand Baye en première main et qui lance la machine. Il résiste au retour de Chavancy, évite le plaquage de Robinson qui va se blesser à la cheville sur ce coup. Machinot est trop court, belle action grenobloise et cette philosophie perceptible d'envoyer du jeu même loin du stade des Alpes. On le voit, hein, la ligne de trois quarts se trouve parfaitement pour renverser le jeu, ouvrir les brèches dans la défense francilienne. Baye, bien servi par Hunt, résiste bien, il a tout le temps de faire le spectacle. 11-6 pour les Grenoblois, alors que Machinot a passé deux pénalités pour le Racing. Grenoble continue d'envoyer du jeu, balaye le terrain. McLeod se retrouve sous pression sur ce plaquage de Camille Chat. Le demi de mêlée ne peut pas ressortir proprement le ballon. Et Joe Rokosoko peut intercepter. Personne ne rattrapera l'ailier All Black qui s'en va aplatir. Et surtout donner l'avantage à cette équipe du Racing, jusqu'ici très en difficulté. Il marque son premier essai sous ses nouvelles couleurs grâce donc à ce contre qui va enfin lancer le match des Racing Men. On voit toute la vitesse du Néo-Zélandais. La défense grenobloise fait bien l'effort. En vain sur ce coup-là. Et Machinot va transformer, il passera même une autre pénalité avant la pause pour permettre donc au Racing de mener à la mi-temps face à Grenoble 16-11. Match indécis et après une première période disputée sous la pluie, sur un terrain détrempé, le soleil fait son apparition. En tout cas, le Racing semble avoir réglé son jeu malgré du déchet. Chavancy est là pour faire mal à la défense, il ressort pour Chauveau qui joue côté ouvert pour Machinot qui sur chaque prise de balle fait avancer son équipe comme sur ce coup de pied par-dessus. Un peu de réussite aussi. Et l'attaque de Mazoé sur le côté gauche. Le troisième ligne file à l'essai. Il est finalement repris juste avant la ligne. Le plaquage est un peu haut. Monsieur Atala ne dit rien. Sauf que Wisniewski commet un acte d'anti-jeu en cassant l'action d'un coup de pied en touche. Carton jaune pour l'ouvreur qui laisse Grenoble à 14. Mazoé était vraiment pas loin de faire mouche. Pénal touche. Le lancer de Chat. Bien récupéré dans l'alignement par Karidza qui remet derrière. Le maul se forme. Avantage en cours pour les Racing Men. La défense grenobloise est en difficulté. Et plein de malice. Xavier Chauveau qui va aplatir comme un avant, résistant au retour de Best. On l'avait dit, hein, ce joueur qui a remplacé Robinson, sans complexe, sur ce coup, il a pris ses responsabilités pour marquer ce deuxième essai pour le Racing, que transformera encore Machinot, auteur d'un 100% au pied, 5-5. La suite est un long travail grenoblois pour tenter d'arracher au moins le bonus défensif. L'attaque de Hunt qui est repris. Le ballon va changer de côté pour arriver jusque dans les bras de Rory Grice. Le troisième ligne lève la tête, hein, et malgré 4 Racing Men sur lui, peut ressortir le ballon. Si Grenoble marque un essai, décrochera le bonus défensif. Superbe coup de pied de Higgy dans la profondeur, tel un ouvreur. Dieu aplonne à la réception, il aplatit. Mais l'arbitre, Monsieur Atala, demande l'arbitrage vidéo. Il ne validera pas l'essai, on le voit sur la vidéo. Aplon laisse échapper le ballon, il n'aplatit donc pas. Wisniewski quitte son ancien jardin frustré. Grenoble a joué mais repart bredouille après pourtant une copie intéressante. 23-14 pour le Racing qui de son côté signe un troisième succès en 4 journées.